been a lot of things said, a lot of things said about me. It's been a lot of things done, I am not so proud of. So I'm not gonna let God, I'm not gonna waste time, I'm just gonna push boundaries and make my way. The only way is the hard way. I've got no choice, we must survive. Money, they hide me, they hide me, money, they hide me. Right now, money, they hide me, they hide me, the money, they hide me. Every other day we try to secure the back, so we can live good life and pursue the dreams, party all night long, party all night long, party.
Debout, debout. Ouais, bien sûr. Debout, tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, okay. Remonte, les gars, remonte. Bébé, écoute. Appelle-moi, d'accord? Eh, mec, je suis toujours KO après la soirée d'hier. Cette teuf, c'était de la bombe. Je me suis éclaté. Hey! Si l'alcool doit tuer quelqu'un, bien sûr que ce soit toi. Je t'assure, ces filles sont vraiment terribles. Comme si elles étaient capables de son temps, me caresser, me chuchoter, me dire des mots doux. Pendant ce temps, l'autre qui est derrière entend me masser. Ferme ta gueule, on n'a pas besoin d'entendre ça. On a tous eu nos expériences. Est-ce que tu m'as entendu parler de ce que j'ai fait avec ma copine? Saisis-toi, mec. On n'a pas besoin de savoir ce qui s'est passé. C'est ce dont je te parle. Travaille dur pour que tu sois plus libre dans la vie. Arrête de raconter des histoires à dormir debout. La première était devant moi, l'autre était... Mais c'est pour ça que je travaille, pour en profiter jour et nuit. Laisse-moi travailler et dépenser du temps. Ouais, travaille plus dur. Quelqu'un dépense son argent et toi, tu t'amuses plus que lui. Et oh mec, écoute ça. Ok. La femme en question, elle est milliardaire. Elle nage dans le fric. Ouais, elle a du blé. Mais elle ne donne pas l'argent comme il faut, tu vois. C'est juste des miettes, des petites miettes. Je veux du gros, moi. Écoute-moi, tu vois ce genre de client, hein? Laisse tomber. Tu vois ce client? Concentre-toi sur celui qui te donne l'argent. Laisse celui-là en particulier. Laisse-le. Hey. C'est moi qui te le dis. Non, mais qu'est-ce qui te prend? Bien sûr. Hey. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi, le pauvre, tu me conseilles? C'est un conseil que je te donne. Pourquoi toi, le pauvre, tu conseilles un homme riche? Pourquoi? Si tu réfléchis trop, pourquoi tu gagnes pas de l'argent? Essaye de faire comme je fais, non? Non, mais qu'est-ce qui arrive à ce mec? Je t'ai pas en train de te parler. Sérieux, t'es con. Un pauvre comme lui me donne des conseils. Si tu sais t'y faire, pourquoi tu gagnes pas de l'argent comme moi? C'est à Slide que je parle, c'est pas à toi. T'es toujours en train d'énerver. Pour un tout petit conseil que quelqu'un veut toujours te donner, pour un tout petit conseil. Pour une petite histoire, tu veux toujours te fâcher. Parce que tu ne dis rien d'important, ferme-la et travaille. Cherche comment tu auras du blé. Tu portes mes habits, t'habites chez moi, tu manges ma bouffe. Tu vis grâce à moi et maintenant tu veux me conseiller comment je dois gagner de l'argent? Depuis combien de temps tu fais ça? Et t'as eu combien depuis là? En quoi ceci te concerne? Parce que tu t'initie dans ce qui te concerne, va. Ah, s'il te plaît, Josh, s'il te plaît. Tu sais qu'il est encore très jeune et parfois il ne sait pas s'occuper de ce qui la regarde. Tu t'imagines? On va mettre des règles dans cette maison. Sérieux, on va mettre des règles parce que lui, là, c'est ma nourriture qu'il bouffe. Il a du wifi gratos. En soirée, on va boire. Cependant, il ne sait pas comment on fait pour gagner de l'argent. Oh. Il y aura une réglementation. Au moins comme ça, tu auras des limites. Tu te fasses pour rien. Réfléchis et gagne aussi de l'argent. Te fâche pas, s'il te plaît. Non, sérieux, il y a des choses que tu ne dois plus faire dans cette maison. Comme parler quand je parle. C'est à lui que je parle et toi tu ouvres au point où tu me donnes des conseils. Hey, écoute, parfois mêle-toi de ce qui te regarde, d'accord? Imagine que les gens sachent que même les chaussures que tu portes ne t'appartiennent pas. Ah, écoute, Baba, avec ce genre de client, n'y va pas de main morte. On va le faire quand il est encore chaud, avec ce genre de client. Ils le savent et ils attendent juste le moment où tu vas merder. Au moment où ils doivent te payer, ils vont le bloquer. C'est sans pitié, mec. C'est juste avec le même logiciel que tu utilises. Allez, vas-y. Continue avec ce boulot. Et tout ira bien. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que ne va surtout pas tomber amoureuse d'elle. Ne tombe pas amoureux d'elle parce que ça, c'est hors de... Ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Dis-lui. Parce qu'il peut aller tomber amoureux d'une prostituée. Commencer à envoyer des fleurs et des chocolats. T'es pas tombé amoureux? T'es là à me regarder comme si t'étais pas tombé amoureux. Tu vas recevoir une paire de chaussures tout à l'heure sur ton œil, tu vas Est-ce voir. Que c'est mon sens? Est-ce que c'est mon sens? Tu vois de quoi je parle? Est-ce que c'est mon sens? Jamais, quand tu lui parles, il fait te répéter. N'as-tu pas envoyé les il chocolats? Il dit qu'on est dans le même jeu, on ah est ouais. dans le même level. Quand je te dirai que c'est un gros con, tu vas refuser de me croire. T'es un gros con, mec. C'est terrible. Elle va te troubler la tête, vieux. L'amour, envoie-moi l'adresse que je t'ai demandé par email. Je vais jeter un coup d'œil. D'accord. Hey toi, ça va? Pardon?
Attends, chédi, attends. Est-ce que vous avez fait la fête la nuit dernière? Non, pourquoi? Non, pourquoi? Chidi. Mais regarde, la cuisine est sans dessus dessous. Oh, ok, nous avons eu un événement hier soir, toute la nuit. Des prières, oui, on a prié. C'était ça. Ouais, vidéo. Une vidéo toute la nuit. Et toute la cuisine est en désordre comme ça. Regarde les bouteilles et même les plats. Mais voyons, non? Ok. À propos des bouteilles, quand on a fini la prière, donc on a décidé de boire. Vu qu'on a été exaucé, donc on a dû trinquer au fait que Jésus a exaucé nos prières et aussi remercier Jésus. C'est bon. Donc vous avez prié en vidéo. Oui. Et ça s'est bien passé? Oui, c'est oui. Bien, Dieu va tous vous bénir. Amen. Ah, tu connais. Oh, oui. Amen. Tu peux y aller. Merci. Ah. Ces gens ne cesseront jamais de m'étonner. Ceux-là, dans cette maison. Ah, oh, par quoi vais-je commencer, Seigneur? Eh, Seigneur. Mec, ce métier de dragueur ne prend que des tout petits gibiers. Je crois que je vais le laisser tomber. Mettre à jour mon système et me lancer dans ce gros projet que je veux recevoir d'ici la fin de la journée. Quand il me l'enverra, je vais juste faire la mise à jour et je crois que j'aurai quelque chose d'ici la fin de la journée. Hein? Dis-moi, ça fonctionne toujours? Ah, laisse-moi essayer pour pouvoir le confirmer. Mais ce négro-là, c'est du lourd qui m'a envoyé comme mise à jour parce que ça ne m'a jamais cassé la tête auparavant. Pardon, permettez-moi de choper 2 000 $. Ce gars est tellement têtu. Ah, je t'assure. Aux États-Unis, ouais. N'est-ce pas? Je cherche dans la plateforme et je regarde ce que j'ai reçu depuis le matin, d'accord? Ok. Je vais récupérer l'argent. Dis-moi, t'as toujours le numéro de David? Ha, Baba. Tu veux ressusciter les morts maintenant? Ne me pose pas de questions, si t'as son numéro, donne-le-moi. Ta meuf ne te satisfait pas assez? T'as dit quoi? Pourquoi tu parles de ma femme de cette manière? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu dire de mal? Calme-toi! Pourquoi tu lui parles de cette manière? T'es fou? Non, sérieux, qu'est-ce qui te prend de lui parler comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal, hein? Calme-toi, mec! Non, c'est toi qui dois te calmer parce que t'es fou! Si c'était une pute, t'allais commencer à te vanter comment t'es allé l'embarquer et comment tu te l'es joué toute la nuit. Maintenant que c'est une fille décente, t'as toujours des qualificatifs. Tu peux me dire ce qui te prend à la fin? Jess, s'il te plaît, calme-toi et surtout, n'allez pas jusqu'à vous battre. C'est vrai que tu dois dire ça. S'il te plaît, contrôle ta langue. Ce n'est pas lui? Écoute, parle plus comme ça de ma meuf, c'est un ordre, c'est pas un débat. Ok, d'accord. Nous n'avons pas le temps pour des bagarres. S'il te plaît. Regarde ta boîte, je t'envoie quelque chose. Ne l'appelle pas, ok, désolé, ne te fâche pas. Allô, bébé? Et quoi de neuf, mon cœur? Alors, ça va comment aujourd'hui? Eh ben, toi, si tu me manques. Eh ben, je suis au Nigeria, je me bats. Et puis, cet investissement qu'on va faire, c'est de ouf. Mais je t'assure, les choses roulent. Je fais le nécessaire. Fais-moi confiance, le projet est en marche. Ah, j'adore cette phrase. L'argent n'est pas un problème. Genre, l'argent ne peut pas être un problème. Je te fais confiance. D'accord, prends soin de toi. Ah, désolé mon cœur, c'est le chien de mon voisin. D'accord, bébé. Prends soin de toi. Depuis quand? Baba, j'ai avalé la cigarette de travers. Maintenant, je suis devenu le chien de ton voisin. Si tu foires ce coup, je te jure, t'auras de mes nouvelles. En fait, tu dis que ce mec n'est pas tombé amoureux? C'est quoi ce genre d'appel? Pour celui-là, surtout ne t'en fais pas. Je connais très bien Josh. Regarde, à partir du moment où Josh a commencé à bâtir cette cliente, elle s'appelle Sophia, c'est ça? Quand il commencera à lui soutirer des milliers, des millions de dollars, hein? Tu n'oseras plus dire qu'il est un amoureux.
Fais-moi confiance. Tu sais ce qu'il est en train de faire maintenant? Quelque chose que moi-même je comprends pas. S'il te plaît, laisse-moi juste vérifier le truc. La femme vient juste t'envoyer. Ah. Hey, les mecs. Au vu des choses, Sophie viendra au Nigeria à tout moment. En fait, elle sera là bientôt. Quoi? Et tu nous dis que tu n'es pas amoureux de cette fille? C'est comme ça qu'il est. C'est comme ça qu'il est. Quand tu me vois, tu vois l'amour. Je ressemble à quelqu'un qui est amoureux. On parle d'affaires, là, les gars. Pourquoi tu mens? Elle est nigérienne, les gars. Calmez-vous. Ah là là. Baba, maintenant, je te comprends plus. Non, mais c'est quoi cette histoire d'une femme nigérienne qui vit à l'étranger et que tu veux absolument qu'elle vienne ici, qu'elle vienne jusqu'à la maison? C'est quoi, ça? C'est un business d'affaires. Vous voyez, on ne parle pas d'amour ici, vous comprenez pas? À ce niveau, hein? J'espère que c'est ça et que t'es pas vraiment amoureux. Écoute, je me lave complètement les mains maintenant dans cette histoire parce que ma tête maintenant est concentrée dans ce nouveau projet. C'est mieux. Je te le fais pas dire. Pas besoin de distraction, s'il te plaît. Ce qui m'importe, c'est de choper ce client. Quand je vous parle que je suis le meilleur, je suis pas un gars qui tombe amoureux. Hey. Les affaires, ça paye, les gars. Vous comprenez ce que je dis? Les affaires, ça paye. Je l'avoue. C'est encore passé. À te voir aussi joyeux, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je vous ai parlé de cette meuf, non? C'est la avec qui je traîne ces temps-ci. L'américaine ou l'autre? T'as de la cervelle, mon pote. Elle vient de m'envoyer $5,000 ce matin. Hey, mec, cette femme, c'est un véritable trésor. Ouais, je le confirme. Et ce qu'on me parle... Attends, combien est-ce qu'elle t'a donné? Je parle du $5,000 seulement. Hé, hey mec, tais-toi! Tu n'as jamais scamé quelqu'un et tu oses parler. Non, mais c'est quoi ces histoires? Mais c'est très petit! Pourquoi est-ce que tu gesticules? Pour 5 000, tu cries comme t'es ça. T'es qu'un gros con. Hey, il ose même parler. Sérieux, t'es qu'un gros con, c'est ta gueule qui va te tuer, je te jure. T'es dans ce jeu depuis des années et ta plus grosse somme, c'est $2,000, mec. Et toi, tu oses me parler? J'ai rien demandé, elle m'a envoyé $5,000 et tu dis que c'est à rien. T'es un gros con. Qu'est-ce que c'est encore? T'es un gros con, mec. Écoute, un jour, ma main va... Je vais... C'est ce qu'un gars a dit à cela des années. Un jour. Je suis sûr qu'elle va te déposer au carrefour. Écoute, mon pote, ta foi ne te sert à rien. Au lieu d'apprécier ce que Dieu a fait pour moi, apprécie. Elle a bavardé inutilement. Il ferait mieux d'aller dans son village voir un de ses féticheurs pour qu'on lui fasse un lavage mystique. Écoute. Il est là à perdre son temps à bavarder. Non, écoute. Pour un tout petit truc, je viens de dire que tu veux dire du tout ça pour des problèmes. Ouais, je préfère que ce soit ça. Parce que tu n'as rien à dire de bon. Tu dis rien. Quelqu'un gagne $5,000 et tu oses lui parler. Frangin, t'as besoin de prière. Mec, je t'assure que tout ce que je dis est vrai. Laisse-toi, mec, on va c'est prendre un pot. Laisse cet idiot bavarder. C'est $1,000, c'est rien. T'auras 5 bouteilles de champagne. Hey, j'ai gagné le jackpot. Mais tout ce que je viens de dire, c'était pour t'encourager. Tu es la seule personne qui paie pour toi. Eh, vas-y, dégage. T'as jamais rien pris. Tout ce que j'ai dit, c'était pour t'encourager. C'est sûr. Mais 5 000, ce n'est rien. Ce n'est rien, c'était pas beaucoup. T'as jamais rien pris. Je peux faire plus que ça. Si vous voulez, je peux vous choquer dans cette maison. Écoutez, je vous le jure. Josh. Joshua. Combien de fois t'ai-je appelé? Écoute, hein. Je sais que Jésus-Christ a payé le prix de nos péchés et de nos transgressions. Alors tout ce que nous avons à faire maintenant est de lui donner notre vie. Et nous serons sauvés. Je suis en train de te parler et tu continues de fumer. Personne lui a demandé de faire ça, bébé. Lâche-moi les boules. S'il te plaît. Je suis en train de te dire que le Christ est mort pour nous. Pour qu'on soit sauvés. Je suis en train de te parler et tu es là à fumer de la weed. C'est une cigarette. Je l'ai envoyé donner sa vie? Non. C'est moi qui l'ai tué? Non. Et parmi ses disciples, t'as vu mon nom dedans? Je suis pas Pierre. Et d'ailleurs, qui l'a trahi? Alors ça sert à quoi de me dire qu'il a donné sa vie pour moi, que je dois lui donner la mienne? T'es juste en train de m'emmerder. Moi,
Je trouble ta paix intérieure. Tu auras la paix. Mais non, tu choisis de ne pas le faire. Tu prêches tellement bien, tu sais, mais ça ne me regarde pas. Je peux pas donner ma vie à Jésus-Christ. Je sais pas si tu es au courant que je suis pas le premier à faire ce boulot. T'oublies ce que ces gens ont fait à nos ancêtres? Hein? Ils sont venus ici, voler nos trésors, et sont rentrés chez eux pour construire leur pays. Et tout ça s'est passé pendant l'esclavage. T'es pas au courant de ça? Tu me prends pour un criminel et pourtant le système est renversé. C'est déjà à l'envers. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est de ramener la richesse de nos parents. Tu vois pas? Ne nous condamne pas, on essaie juste d'aider la prochaine génération. Seigneur, mais non, non, c'est une mauvaise façon de penser. Tu dois mettre un terme à cette histoire d'arnaque que tu fais. Arnaquer les gens, toutes ces histoires d'escroquerie que tu fais, je n'aime pas ça. Il y a une chose que j'aime dans la Bible, c'est que tu peux pas changer la peau d'un léopard. Je sais que t'en sais plus que moi dans ça, mais je vais te demander une chose. Si tu me fais l'amour, je te suivrai à l'église. Que Dieu m'en garde. Je n'essayerai jamais, jamais une chose pareille. Jamais. Fais-moi l'amour, je te suivrai à l'église. T'as envie de me convertir, non? Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de vain Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ça te sert à quoi? Oh, je t'en prie. T'as qu'à me donner. Je te confie à Dieu, à Jésus-Christ. Je m'en vais à l'église. Fais pas le boulot des pasteurs, occupe-toi de toi-même. Tu ne cesseras jamais de me stresser. Tous les jours. Et quoi, le corps de Christ maintenant? Écoutez, ces clés sont pour notre maison habituelle. Vous y rentrez. Je veux pas que vous gâchiez mon boulot. Vous allez repartir dans cette maison. Vous restez là-bas jusqu'à ce que Sophie, mon amour, retourne aux États-Unis. Papa, je veux pas que vous gâchiez mon boulot. Avec l'autre là, je suis pas d'accord. J'aime pas quand tu discutes pour rien. T'es malade? T'as une maison, toi? Ah, qui est-ce que je demande de rentrer dans l'ancienne piole? Pour quelle raison, non? Tu sais combien nous avons fourni d'efforts pour être dans cette nouvelle maison. Pourquoi maintenant tu nous traites de la sorte? Même si ça marche pas, t'es pas obligé de parler. Ça va pas marcher. Le pauvre ne doit pas faire la gueule. Écoute, calme-toi d'abord, calme-toi. Au pire des cas, nous restons à l'hôtel. Pourquoi? Bien sûr, nous resterons à l'hôtel. Qui va payer la facture? L'hôtel? Ok, si t'es prêt à payer, y'a pas de problème. Mais quant à moi, tu comptes pas sur moi. De toute façon, vous n'irez plus nulle part. On sera tous chez moi, mais je vous avertis, les gars. Rassurez-vous, en fait, contrôlez vos manières. Ne faites pas qu'elle suspecte quoi que ce soit, sinon je vais perdre de l'argent. Et c'est moi qui va le lui dire. C'est lui qui va trahir notre secret. Parce que c'est lui qui va lui parler et lui montrer comment il sait parler français. Et il va tout confondre. Pourquoi tu me prononces? Écoute, je n'aime pas ce genre de choses. Je n'aime pas ça. Mais c'est lui qui parle, est-ce que moi j'ai parlé? Parce que tranquille. Je sais pas ce qu'il faut dire. Arrête de prononcer mon nom comme cela, pourquoi tu m'impliques? C'est toi qui seras le premier à merder dans cette histoire. Ce je te connais très bien, non? Je te connais et je sais de quoi je parle. C'est lui que tu devais mettre le plus en garde et lui donner des sanctions s'il le fait. C'est pas possible. Je ne veux pas de problème. Regarde tes mails, s'il te plaît, de la même manière que tu parles. Les trois hommes sages de notre ville. Joshua, Sly et étudié. Enlève ta main de là. Vous pensez que vous pouvez vous en sortir comme ça facilement? Mon amour, les autres acheteurs sont intéressés par la propriété. On doit se dépêcher. Ouais, on doit payer le plus vite que possible. Tu sais qu'on a eu cette maison dans un plateau en or. Donc je veux pas qu'on la perde, s'il te plaît. D'accord, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des personnes qui sont prêtes à l'acheter. Je veux pas qu'on perde cette propriété. Ok, d'accord, je t'ai compris. D'accord, c'est bon. Donne-moi une seconde, ils sont en train de m'appeler. Ouais, donne-moi une seconde, s'il te plaît. Envoie le fric, laisse ce bavardage. Paix, simplement. Oh.
Ce repas, il est copieux. Je suis contente que tu aimes ça. Je l'adore. Dis-moi comment va tout le monde. Ton père, ta mère, j'espère qu'ils vont bien. Oui, ils vont bien. Et merci pour l'argent que tu as envoyé à mon père l'autre jour. Il me l'a dit. Ah, c'est rien. J'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Détends-toi. C'est pas l'argent du scam. L'argent que j'ai envoyé à ton père, c'est l'argent que j'ai gagné durement. Commence pas à me prêcher. Mon cœur, mes clients viendront au pays d'ici peu. Mes partenaires d'affaires. T'as pas besoin de t'inquiéter. Elle est juste une cliente. Elle? Ouais, elle. C'est une blanche? Non, c'est une fille nigérienne. Mais elle vit en Europe depuis très longtemps. Est-ce que vous sortez ensemble? Allez, voyons, bébé. Pourquoi tu racontes ce genre de choses? C'est juste une partenaire d'affaires, c'est tout. On ne sort pas ensemble. C'est purement professionnel. Professionnel. Alors elle viendra ici au Nigeria et elle passera un peu de temps ici avec nous. Bébé, calme-toi. C'est pas ce que tu penses, ok? C'est juste une partenaire d'affaires. Tu sais que je cherche un moyen d'arrêter ces trucs de scam et faire des affaires légales, tu comprends? Alors, je t'en prie, arrête. C'est pas ce que t'as toujours voulu pour moi? Rappelle-toi bien de ce que je viens de te dire. Je vais arrêter ce business sale et me concentrer sur des affaires plus propres. Le mec friqué, ce n'est que de l'argent. Le dépensier. Onyereke, qu'est-ce que tu fais chez moi? C'est l'esprit de cette innocente fille qui ne me fait pas me reposer. Tu n'as aucune preuve contre moi. Et la police qui gérait cette affaire a tranché et donné son verdict. Alors qu'est-ce que tu fais derrière moi? Je sais que tu as tous les contacts. Tu peux les appeler pour tout couvrir. Mais le moment viendra. Écoute,
Si t'arrêtes pas de me suivre partout, j'ai qu'à passer qu'un seul coup de fil. Et tu perdras ton boulot et iras en prison. Ça, c'est pour les gens comme toi. Oui. Alors tu peux courir comme tu veux, t'agiter comme tu veux et te casser comme tu veux. Moi, inspecteur Adon, fera tout pour que la justice triomphe. D'accord. Voyons voir qui va tomber en premier. Et c'est parti. Ah. J'espère que tout va bien. Oh, c'est rien, tout va bien. C'est un ami à moi. Tu sais, c'est comme okay. ça qu'on fait quand on se croise. Ok, sans souci. Je te souhaite la bienvenue dans mon humble demeure. Tu veux dire que tu as construit cette maison à partir de rien? Non, construire, c'est un peu stressant. En fait, je l'ai achetée. Oh. J'ai quelques maisons dans la ville, et celle-ci est juste l'une d'elles. Jolie. Ok, on peut entrer maintenant. Tu dois vraiment être un homme d'affaires très prospère. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. J'aime ça. Ok. Et voilà. On y est. C'est ici ta chambre. Ok. Sens-toi à l'aise et fais comme chez toi. Tu vas prendre ton bain pendant que je te commande à manger, ok? Ok. Ta maison est très jolie. Je te remercie. Bienvenue. Merci. Sens-toi à l'aise. Merci. Sens-toi à l'aise, mon cœur. Je suis contente de te voir. Je suis aussi contente de te voir. Wow. Je reviens tout de suite. Ok. Salut. J'espère que je n'ai rien interrompu. Oh, non, pas vraiment. J'avais déjà terminé. Je m'appelle Sophia. Et vous alors? Moi, c'est Chidi. Alors, Chidi, quelle est votre discipline? Vous voulez dire ma discipline? Oui. Eh, mon cœur, t'es là? T'as fini? Donne-moi un grand bisou, toi. Je te présente mon ami Chidi, un merveilleux ingénieur. Oh, il a construit cette maison à partir de rien. Après cela, je l'ai acheté au propriétaire. Ah, mais c'est incroyable. Pas étonnant que vous ayez rapidement fermé votre ordinateur.
Vous ne voulez pas que qui que ce soit vole vos designs? Effectivement. Ces designs sont vraiment importants pour moi. Il faut que je vous laisse, je vais monter à l'étage. Y a pas de souci. Ah. Okay. Chérie? Oui, bébé? Je veux pas que tu te stresses pendant ton séjour ici au Nigeria. Je t'ai fait venir un chef cuisinier. Oh. Et dès demain matin, elle commence le boulot. Oh, waouh! C'est tellement gentil de ta part. Absolument tout pour mon amour. Eh bien, je dois avouer, tu n'es pas seulement doué dans les affaires. Tu sais également prendre soin d'une femme. Oh. Ah, je rougis. Très Mais drôle. Point de correction. Je ne sais pas seulement comment prendre soin d'une femme. Je sais seulement comment prendre soin d'une femme vertueuse. Alors, je suis vertueuse? Bien sûr. Allez, rapproche-toi, t'es trop loin de moi. Viens, 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 viens. Viens t'asseoir. Je t'assure que t'es une bombasse. Bébé! Seigneur, aie pitié! Comment tu vas? C'est quoi votre problème, monsieur? Êtes-vous normal? Attendez, quand est-ce que ça a commencé? S'il vous plaît, n'essayez pas ça avec moi. Sinon, je vais le dire à ton ami Joshua. Ah, on n'en est pas là, je t'en prie. Ah, qui est assez fort pour combattre Josh, non? Hein? Calme-toi, je t'en prie. Nous en sommes arrivés là-haut. Nous en sommes arrivés là. Vous avez tous refusé de donner votre vie à Jésus et de sauver votre âme. Ah! Parlant de Jésus-Christ, tu dois premièrement réussir à convaincre ton petit ami. Et quand tu le feras et que nous verrons sa vie changer, alors nous essaierons nous aussi. Mais pour l'instant, quoi de neuf à la cuisine, non? Oka Bogafia, hein? Oh, Niger, le salut est individuel. Le salut est individuel. Tu as compris? Ah, certaines jeunes filles utilisent toujours le nom de Jésus pour s'échapper. Alors, il y a quoi à manger dans cette cuisine? Hé, hey, madame, oh. Bonjour. Comment je vais bien. Salut. Salut. Comment vous allez? Bien, alors? Qu'est-ce qu'on a? Je veux dire, Josh m'a dit qu'il a embauché la meilleure cuisinière de toute la ville. Oh oui. En fait, j'ai cuisiné un repas africain, spécialement plat nigérien. Oh, waouh, c'est incroyable. Je suis sûre que je vais m'amuser ici au Nigeria avec tous ces plats africains. En vrai? Oui, madame. Fait par la meilleure cuisinière de la ville. Oui, madame. Je vais retourner à mes activités. Oh, waouh, tu faisais du riz? Oui. C'est pas mal. Alors, je vais attendre. Oui, merci. D'accord. Elle t'a pas pu viser la blanche. Non. Écoute, attends, les gars, j'ai pas envie de vous chasser de ma maison. Parce que je vais pas laisser quelqu'un foutre mon plan en l'air. Vous savez qu'elle est là, non? Il a fallu de peu pour qu'il gâche tout. Oh, attends. Oh, il a fallu de peu pour qu'il gâche tout. La fille s'est approchée de lui et a commencé à lui parler. Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il n'avait rien à dire. Pourquoi tu parles comme ça? Bien sûr que je me suis défendu. Bien sûr que je me suis défendu, t'as pas vu comment j'ai fermé mon ordinateur? C'est juste quand elle m'a demandé qu'elle m'a discipliné. Et c'est comme ça que je n'ai pas pu répondre. Hey! C'est normal que je sois perdu, je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Et après tu diras que tu es diplômé. Bien sûr que je suis juste diplômé. Juste quelques règles de discipline, je ne sais pas ce que c'est. Je te dis que je suis diplômé. Non! T'as jamais été perdu lorsque quelqu'un te pose une question? Et toi, t'as jamais été perdu? Oh. Écoutez les mecs, je vous jure, si vous gâchez mon plan, je vais tous vous buter. Vous avez vu cette fille? Je suis en train de cibler 10 milliards de naira, vous voyez? Hein? Dis quoi? 10 milliards de naira. Alors que personne ne gâche mes plans. 10 milliards, c'est un peu trop. Vas-y, Molo. Je comprends pas. Vas-y doucement, non? Elle fera pas tout le versement, elle va envoyer petit à petit. Alors, s'il vous plaît, je lui ai dit
que toi, t'es dans la construction. Tu es un ingénieur professionnel. T'as pigé? Okay. Un ingénieur. En fait, c'est ce que mon père a toujours voulu. C'est que je de faire des recherches. Fais des recherches sur ça. Creuse dessus pour te défendre. Et toi, je lui ai dit que t'es un musicien. Alors, agis comme tel. Obio, Badens. Ouais. Je ne suis pas musicien. Non, mais qu'est-ce qui t'arrive? Agis comme tel. Je ne peux pas le faire. Achète-toi un casque. Porte des gros trucs. Marche comme les musiciens. Ouais. Fais comme eux. Sois dans... Joue ton caractère. Très bien, très bien. Ah. Ok, compris. Donc, comme ces temps-ci, quel est le travail que tu m'as donné? T'es con ou quoi? T'es un ingénieur? Répète. Ingénieur. N'oublie pas. Je suis ingénieur, hein? Je suis ingénieur. Oui, je suis un vrai ingénieur. Tu parles d'un musicien. T'as joué quelle boule? Et je t'ai vu et je garde. C'est sûr, c'est mi-pleine. Pour la faire rentrer. Tu demandes la semi-pleine ou la pleine? Ah, non, mais... J'espère que vous aimez le repas. Vraiment délicieux. Je suis ravie que ça vous plaise. Bébé. Qu'est-ce que... Alors, ça va? Bien, bien. Merci. Ah, Fit est une personne vraiment très agréable à vivre. Et elle cuisine très bien. Oh, c'est vrai ça? Oui, tu as fait le bon choix. Je te l'avais dit, c'est un cœur d'emblée. C'est oui, pourquoi je l'ai engagé. Elle sait faire son boulot. Elle a cuisiné un délicieux plat pour moi. Waouh. Je suis content que tu l'apprécies. Fit, ta mère est malade. Je viens de la déposer à l'hôpital. Oh mon Dieu. Mais elle ne m'a pas appelée. Ouais, elle a dit qu'elle a essayé de te joindre, mais ton numéro ne passait pas. S'il te plaît, Fate, je n'ai pas de problème, va voir ta mère. Ouais, tu dois parler au docteur. Viens prendre son numéro, de toute façon, on va lui parler ensemble. Viens. Ok, s'il te plaît, va voir ta mère. Viens, 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 s'il te plaît. Dépêche-toi, chérie. S'il te plaît, dépêche-toi, d'accord? Ok. Passe-lui le bonjour. D'accord, merci, madame. Elle ne devrait pas être malade. Merci, madame, au revoir. Bye, on se voit plus tard. Oui, merci. Bonne fille. On est là depuis plus de 20 minutes, et jusque-là, t'as rien dit. Dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Tu t'attends à ce que je te dise quoi? Hein? Dis-moi. Tu t'attends à ce que je te dise quoi? Eh bien, merci de m'avoir ramené, et merci pour ce nouveau job que tu m'as assigné. J'apprécie. Bébé, je suis désolé. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. C'est la seule chose qui m'est venue en tête en ce moment-là. Vraiment? Josh, vraiment? Tu es vraiment sérieux là? Vas-tu mentir tout le temps? Vas-tu toujours escroquer les gens? Et quand est-ce que nous allons vivre honnêtement, Josh? Bébé, fais-moi confiance. Avec toi, à mes côtés, je vais changer. Très très bientôt, je changerai. Avec moi, à tes côtés? Bébé, tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de moi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de tes clopes, de ta boisson et ton groupe d'amis violents. Bébé, je comprends ce que tu ressens, ok? Mais fais-moi confiance. Avec le temps, tout cela s'arrêtera. Je vais t'épouser, je te le promets. M'épouser? Viens-tu juste de dire m'épouser? C'est déjà très difficile de sortir avec toi et encore plus difficile de discuter avec toi. Je ne peux pas, ça ne marchera pas. Bébé, je suis désolé, ok? Avec le temps, tout cela prendra fin. Non. Je vais changer, j'aurai une nouvelle vie, tout ceci sera derrière moi. S'il te plaît, sois à mes côtés. Je ne te crois pas, Josh. Pas du tout. S'il te plaît, je dois partir. Thank you.
are filled with rage. My heart is pounding, babe. I fill up your mind with fear. I keep your heart on the way. I won't finally know stay. In the shadow you hear my voice, I will roam. My spirit is haunted. Roam from the shadow. I'm coming for you. Can you Mon amour, je croyais que t'allais m'attendre avant de manger. C'est pas juste. Chérie, je t'ai cherché à peu près partout, mais je ne t'ai pas trouvé. Ouais. Je suis allé voir mon avocat pour m'assurer que les documents soient prêts. Et voilà. Tout y est, t'as qu'à les signer. Je ne suis toujours pas à l'aise avec le prix. J'ai l'impression que c'est un peu trop cher. Mais non, 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 voyons, bébé. C'est juste parce qu'on a eu d'avoir un bon négociateur pour cette propriété. Donc c'est bon pour le prix. Fais-moi confiance. Ok. Si tu es à l'aise avec ces prix, c'est ok pour moi. Donne-moi un peu de temps pour que je puisse les parcourir et ensuite les signer. D'accord, mon cœur. Prends ton temps. Ok. Tu ne veux rien manger? Le repas est déjà prêt. Non, je veux d'abord me laver. Ok. Je me suis pas... J'ai pas pris mon bain avant de sortir, alors il faut que je me lave. À tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Joshua, il faut qu'on parle. À propos de quoi? Est-ce que tu as l'intention d'arnaquer Madame Sophia? Parce que si c'est le cas, le feu du Saint-Esprit s'abattra sur toi. Et c'est une femme bien... Jamais de la vie. J'essaie pas de l'escroquer. Écoute, on fait des affaires légales. Des affaires vraiment légales. Mais tu es un arnaqueur. Tu arnaques sur Internet, ce n'est pas de la fraude. Oh. J'escroque simplement des personnes qui sont, je veux dire, avares, qui méritent d'être scammées, qui méritent d'être escroquées. N'importe quoi. Donc il y a certaines personnes qui méritent d'être arnaquées et escroquées. Tu le savais pas? Non. Mais des gens avares. J'ai jamais pris l'argent des pauvres, moi. Je vends ce que j'ai à vendre. Tu l'achètes, c'est pas de ma faute. Tu comprends? Un quoi est-ce de ma faute là-dedans? Ce n'est pas juste. Ça ne l'est pas du tout. Parce que mon esprit n'adhère pas avec toutes ces choses que tu fais. Tu sais très bien que je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Devant les yeux de Dieu, ce n'est pas bien. Où est la différence entre un braqueur et toi? C'est une femme bien. Elle ne mérite pas ça. Moi, j'utilise pas d'armes. J'utilise pas d'armes pour avoir de l'argent. Écoute. Je n'ai qu'à faire qu'à des personnes avares, ok? Je n'ai qu'à faire qu'à des blonds. Et après tout, ces gens nous ont tellement réduits en esclavage. Alors je pense pas que ce soit mauvais de leur retirer un peu d'argent. Tu es sérieux? Mm-hmm. Cette mentalité ne te convient pas. Tu as besoin du Seigneur. Et crois-moi, plus tôt tu vas l'accepter, mieux ce sera pour nous. Jésus. Sérieux, c'en est assez, ce n'est pas bien. Bien, avant que je n'oublie, tu dois me payer tout mon salaire. Pour être la cuisinière dans cette maison. Et merci pour le job que tu m'as assigné. Je l'adore. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bavardé. On y va maintenant. Et je dois accepter ça. C'est bon, il n'y a pas de souci. C'est bon. Allez, conduis, pardon, Rose. Au moins, moi, je ne tue pas les gens pour avoir de l'argent.
Oh, wow. Faith, comment tu vas? Je vais bien, madame. Ah, bonjour, allez, madame. Viens là. C'est bien de te revoir. Je vais bien, madame. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Actuellement, je profite du super. Vieillir. Alors, comment va ta mère? Elle va mieux? Oui, elle va bien. Je lui ai parlé de toi et... elle te passe le bonjour. Vraiment? Oui. Oh, c'est vraiment gentil de sa part. Je la verrai sûrement un jour, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, madame, qu'est-ce que je vous fais à manger aujourd'hui? Écoute, tu vois ce deal? Ce deal, c'est tout pour moi maintenant. J'y travaille depuis trop longtemps. J'ai tellement travaillé dessus et maintenant, c'est en train de fleurir. D'accord. Donc, s'il te plaît, je veux pas du drabuge. Je veux du bon boulot. Je vous comprends, monsieur Josh. Nous avons tous travaillé et nous continuons à travailler durement pour que ce deal ait lieu. Je crois que ce sera définitivement bouclé. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Ouais. Je veux qu'on vende ses propriétés. Mais cette fois-ci, je veux pas qu'on les vende comme des cités. Ok. On les vendra unité par unité pour avoir plus d'argent. Oh wow, c'est vraiment une très bonne idée. Oui, parce que les vendre unité par unité va certainement multiplier les actions. Écoute, je suis pas en train de te duper, je suis un homme d'affaires moi. On aura plus de bénéfices, mais ne sois pas trop avare, parce qu'une surtasse peut nous coûter. Alors voilà ma proposition. On les vend à partir de 60 et 20, 20. Je prends 60%, tu prends 20% et l'avocat prend 20%. Et si on est tous d'accord, on conclut l'affaire. Ok, marché conclu. Très bien. On est bon. Encore une chose. Je leur ai dit 65 millions. Ok. Ok, dis-moi, quand est-ce que ça peut prendre effet pour qu'on ait notre cash? À propos de ça... je me suis enregistré chez le caissier pour qu'il me sorte toute la documentation de ce chantier et il m'a répondu ce matin en disant que ça pourrait prendre mois. Pourquoi? Je pense que c'est la routine normale pour que les choses soient clarifiées, en fait. Ok, d'accord, c'est bon pour moi. D'accord, monsieur Josh. Y a pas de souci, c'est bon. D'accord. Ok. Hey, mon pote, Azab, comment va? Ouais. Ouais. C'est quoi du Bitcoin? Comment ça au Japon? Au Japon? Ok, je vais te rappeler. Take chances. The money behind me.
Salut, Fitz. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Mais monsieur, comment connaissez-vous mon nom? Ça n'a pas d'importance, est-ce que Josh est là? C'est qui Josh? Le propriétaire de là où tu sors. Monsieur, je ne sais pas qui c'est. Je tiens entre tes mains un livre saint. Monsieur, s'il vous plaît, je vous en prie. Je serai en retard à l'église, s'il vous plaît. Je ne peux pas. We must survive. Money, they hide me, oh. They hide me, oh. Money, they hide me. Right now, money, they hide me, oh. They hide me, oh. Bébé? Bébé? Salut, bébé. Bébé? Tu sais, je m'habitue progressivement au titre. Ce n'est pas un titre. Ça vient du plus profond de mon cœur. Le cœur peut être trompeur parfois, tu sais. Peut-être parce que tu m'as maintenant dans ton lit. Non. Loin de là, ok? Loin de là. Écoute, Sophie, te connaître, c'est aimer. Ce n'est pas un titre. Je voudrais que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour sécuriser ce bien immobilier dans les plus brefs délais. D'accord. J'ai ordonné à ma banque de sortir 5 milliards de Naira. Ils ont été d'accord. Oh, très bien, c'est bon, c'est super. Je me lance immédiatement, d'accord? Tu peux sourire un peu, s'il te plaît. T'es bizarre, tu vas bien? J'aimerais être seule. Excuse-moi. Ton paquet de cigarettes. Attends. Tu dis que cette fille a accepté de sortir 7 milliards pour toi? 7 milliards? Je t'assure. Mec, elle est d'accord. Je l'ai fait jouir. Hey! T'as fait jouir une femme? Hey! T'as déjà fait avant? Est-ce que t'as fait jouir une femme? Parce que cette chose apparaît comme si... On dirait que la chance te sourit, mec.
Je dois dire que je suis fort. Hey mec, cette transaction dépasse toutes les transactions qu'on avait en ligne et hors ligne. Clyde ! Non mais qui est cette femme ? Qui est-elle ? Qui est-elle ? Qui peut faire ça ? Qui est-elle ? Ce qu'elle est, je n'ai rien à foutre. Parce que c'est comme si... Je m'en fiche de ce qu'elle fait, je m'en fiche ce qu'elle soit en retraite, ça ne me regarde pas. C'est ce qui va entrer dans ma poche qui m'importe. Point. Barre. C'est pas ça. Te fâche pas. Toi-même, tu sais qu'on apprend tous les jours. Combien coûte le mètre carré ? Tu me payes combien ? Ce mec est une grosse mauviette. Tu veux dire que t'as payé le gros pigeon, mon frère ? Ce n'est qu'une gros mouillette. Ce n'est qu'une mauviette. Et il a même acheté. Donne ton prix. Mais toi, t'es un bâtard. Comment tu as fait ça ? Mets le prix sur la table. Je te montrerai de A à Z comment faire. Comment faire ? Enseignez, mon frère. Je vous assure, les gars. Je suis désolée. S'il te plaît, attends. Faith! Confiance aux gens, mais j'ai confiance en toi. Alors, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, madame, en réalité, nous sortons ensemble. Quoi? Et nous avons prévu de nous marier. Faith! Oh mon Dieu! Je suis désolée. Je n'étais pas du tout au courant de ça. S'il te plaît. Je suis désolée. Pardonne-moi, hein? Je n'étais pas au courant de ça. Personne ne m'en a parlé. S'il te c'est plaît, bon, je suis madame. Vraiment désolée. C'est bon. En fait, c'est lui qui prend soin de ma famille et il paye ma scolarité. Ok. Tu vas encore à l'école? Oui, madame. En fait, je suis en dernière année. Nous sommes en congé et donc, c'est pour ça que je suis ici. Ok. Je suis désolée. Vous avez... Non. Non, madame. Non, madame, je me suis promis que je ne le ferai pas jusqu'à ce que je me marie. Bonne fille. Bonne fille. C'est bon maintenant. Faith. Oui. J'ai besoin que tu me fasses une faveur. Pars de sa maison. Et ne reviens pas jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un te chercher. Quand j'ai envie de te voir, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Ok. Je suis désolée. Viens là. Arrête de pleurer. Tout ira bien, d'accord? Tout ira bien. Ne fais pas pleurer. Je suis désolée.
Tu sais, c'est pas juste faire la gueule. Je peux plus rien. Eh mec, mais si, mais maintenant, c'est des gros poissons. Tu le sais, non? Ouais. Ah, c'est terrible. Les plus grands de la ville. Les gars les plus friqués. Pourquoi tu me perturbes? Qu'est-ce que tu veux? Je vous veux, vous trois, derrière les barreaux. Pour avoir tué une jeune fille de 19 ans avec de la cocaïne. Mais l'histoire est très claire. C'est plus que clair, nous sommes innocents. Mais pourquoi êtes-vous? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Nous sommes innocents. Chede, arrête de parler. Oui, arrête de parler quand ton amitié, parce que tu ne fais que dire des bêtises. Monsieur l'inspecteur, il est très bien clair que vous avez décidé de donner toute votre vie pour ce cas. Je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours en train de nous accuser, après que la cour nous a déclarés innocents. Et je suis très sûr que tout le département de police n'est pas du tout au courant que vous êtes à nos trousses. Et je crois qu'il est temps que nous les saisissions. Je vais dire vous, ainsi que tout le département de police de l'État. Je peux lire cela dans vos yeux. Vous en faites pas. La justice va bientôt triompher. Hein? Mec. Ça veut dire nous quoi, devons ça? Absolument tout faire pour résoudre ça. Et qu'est-ce tout le veut temps, elle nous poursuit partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on parte d'ici. N'est-ce pas? Pas vrai? En tout cas, qu'elle continue. Faites pas d'erreur, s'il vous plaît. D'accord. D'accord, vous allez signer ici. Montre-lui. Vous allez signer ici et ici. Okay. Ici, c'est ça? Oui. Et après, vous signez ici. Ok. Bébé, n'oublie pas la date. Mets la date. Okay. C'est encore quoi la date d'aujourd'hui? Nous sommes le 26-01-2024. 24. Ok. Ok, 26 janvier 2024. Et d'accord. Vous aussi, vous allez aussi signer. D'accord. Vous signez ici et vous signez aussi ici. Ok. Laissez-moi vous aider. Félicitations, donc, au nouveau propriétaire. Ah, merci infiniment. Merci à vous. Et d'accord. Merci, les gars, d'avoir finalisé ça. Je vous suis reconnaissante. Je vous en prie. Merci, les gars, d'avoir finalisé ça. Ok. Je vous suis reconnaissante. On garde ces copies ou vous nous les envoyez? Ah, non, une copie vous sera envoyée. D'accord, merci. Merci beaucoup. Vé, on y va? Oui. Doucement. Ok. Bye. Au revoir. Passez une bonne journée. D'accord. Attention.
Eh bien, mon amour. Bébé, tu vas bien? Oui, bébé, je vais bien. Je t'ai vu passer là, on dirait que ça va pas. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. T'en es sûre? Juste que je suis un peu surchargée. J'essaie de ranger ma valise. D'accord, d'accord, très bien. Pendant que j'irai prendre mon bain, je veux que tu t'apprêtes. On va sortir, je t'amène dans un restaurant. Très bien, j'y vais à l'instant. D'accord. À tout à l'heure. D'accord, à plus tard. Puis, quoi de neuf? Raconte, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de sortir. Je suis en train de sortir. J'ai dit, je suis en train de sortir. So I'm not gonna let scatter. I'm not gonna waste time. I'm just gonna push on. Josh. Cet agent de police est toujours après nous. Et il commence vraiment à me taper sur les nerfs. Écoutez, que veut-il à la fin? Cet inspecteur est devenu comme un charognard. On dirait qu'on était mort et qu'il suit nos cadavres. Et il commence sérieusement à me faire chier. Pourquoi ne pas juste le dénoncer, je veux dire, porter plainte pour harcèlement? Non, on va pas faire ça. Parce que c'est exactement ce qu'il veut. Si on lui porte plainte, ils vont réouvrir l'affaire. Ah ouais. Et je veux pas que cela arrive. On sait tous que s'ils ouvrent cette affaire, on est dans la merde, vous savez non, de quoi je parle. Ce n'est pas du tout juste. Donc on ne va pas faire ça. Écoutez. Parle. Le truc, c'est que... Vous savez que je n'ai pas de cœur. Vous le savez très bien. Mais je suggère qu'on l'élimine. Attends. Ah oui. Attends. Tu es normal. Tu es complètement fou. Non, mais de quoi est-ce que tu parles? Comment ça, il est fou? Dis-lui. C'est la meilleure suggestion. Tu penses qu'on peut faire quoi contre lui, si ce n'est de se débarrasser de lui? Comment est-ce que vous pouvez suggérer une telle chose? Tu es un officier de police. Un officier de police, mec. C'est un officier, mais il a un homme comme Oui. Une balle et tout est terminé. Ok, qu'en est-il si on essayait de le corrompre, de lui donner une très bonne somme d'argent? Et que pensez-vous de ça? Tu vas sortir l'argent. Et toi? Non, c'est lui qui le dit, c'est lui qui le dit. Il va nous demander une grosse somme d'argent. Mec, j'ai pas d'argent pour ce genre de choses. J'ai dépensé 2,5 milliards pour acheter ces maisons, dont j'ai pas un centime pour qui que ce soit. Écoutez, je suis d'accord avec lui. On doit se débarrasser de lui. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Non, il doit y avoir un autre moyen, mec. Hé, les gars, essayons d'être positifs. Non, les gars, si nous lui donnons une très bonne somme d'argent, je suis sûr qu'il va abdiquer. Écoute, ce mec nous connaît déjà assez. Si on se débarrasse de lui, ce sera bien pour nous. Il nous connaît plus que nous-mêmes, les gars. Au point où, quand il est dans les parages, on est stressé. C'est pas normal. Partout où je suis, il suffit que je tourne la tête, je vais le voir. C'est une mauvaise personne. Je suis en boîte de nuit, je me tourne, je le vois. Vous savez à quel point ça me stresse? Ça, c'est vrai. On doit descendre, point barre. La police n'est pas au-dessus de la loi. Ouais. Il faut qu'on commence à le perturber, à partir des rêves. C'est ce qu'il faut faire. Je vois. Ah! Je dois avouer que c'est la meilleure occasion pour nous. Toutes mes félicitations à nous, je veux dire. Pas seulement toi, Josh, parce que c'est désormais notre maison. Effectivement. Ouais. Hey, je t'assure que cette femme cliente nous a rendu tellement riches. Je t'assure. Tellement riches. Vous pouvez encore le dire.
voyez, dans ce jeu, dans cette affaire, celui qui baisse les bras gâche tout. Je suis d'accord avec toi. Je vous l'avais dit, mec. Vous savez comment ça marche. Vous le savez tous. Personne peut te parler. Hé, hey, bébé, comment tu vas? Tu es devant le portail? Oh. Pourquoi? Tu m'as dit que tu voulais venir aujourd'hui. C'est d'accord, ok. À demain alors. À demain, à demain. Non, je suis pas en colère, je suis pas fâché contre toi. C'est bon, c'est d'accord. On se voit demain alors. D'accord. Qu'est-ce? Tu nous as pas dit que tu attendais quelqu'un? Eh hey mec, c'est juste une petite... Je voulais tout juste me soulager un peu. Elle est là à me parler d'église et de sainteté. Alors j'ai laissé tomber. Tu lui as dit? Elle est bonne. C'est de la viande fraîche, mec. Elle est comme j'aime. Je te le fais pas dire. Amène-la. Le mec le plus mignon. J'ai cru que tu lui avais dit. Elle ne peut... Je t'assure. Ok. Bienvenue. Waouh. Allez, viens, viens. Allez, viens t'asseoir. Je veux dire... Voici mon humble demeure, là où j'habite. Ah, mets-toi à l'aise pendant que je vais nous chercher à boire dans la cuisine, d'accord? D'accord. Waouh, c'est vraiment très luxueux. Ah, je nous apporte un jus de fruits, j'espère que ça ne te pose pas de problème. Est-ce que ça te va? Donc, détends-toi et je reviens tout à l'heure. Merci. Hey, ma chère, arrête ce que tu fais. Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Que t'est-il arrivé? Hey! Qui? Elle a bu. Je ne sais pas. Paniquer, faut te... Comment ça, je me parle? Elle a de la salive qui sort de sa bouche. Seigneur. Hey! Hey! Est-ce qu'elle en vit? Elle est morte. Hey! Hey! Elle est morte? Hey, calme-toi, reste tranquille. Reste tranquille. Calme. La question qu'on doit se poser maintenant... C'est comment on va gérer ça. Si on gère ça mal, on va passer le reste de nos vies en prison. Si on gère bien, on est libre. Écoutez, on n'attire pas les voisins. Donc, on va emballer le cadavre et se débarrasser du corps dans le silence. Amenons-la plutôt à l'hôpital. Elle est encore en vie. Elle est en vie. Elle, a... Chut, elle est morte. Elle est morte. Jésus. Aïe. Et c'est moi-même qui ai suggéré qu'on les amène cette fille, mais... Hey! Ouais, et c'est par toi que cette fille est entrée dans notre maison. Et tu devrais me remercier grâce à moi. Nous tous ici présents, on serait un présent, pas nous, toi. Toi particulièrement, tu serais un présent à l'heure qu'il est. Est-ce qu'on peut la boucler et trouver une solution? Il n'est pas temps de trouver des arguments, de chercher qui a tort. Je sais ce que j'ai dépensé pour faire taire cette affaire. Je sais ce que j'ai vu pour que cette affaire soit oubliée.
Et malgré ça, cet inspecteur ne veut pas nous laisser tranquille. Je sais ce qu'il veut. Une seule erreur, il va réouvrir l'affaire. Vous comprenez? C'est ce que j'évite. Ouais. Je veux pas qu'il ouvre l'affaire. Je veux pas qu'il le fasse. Tu ne gères pas bien l'argent. Au lieu que tu utilises cet argent pour corrompre cet homme, toi ce que tu veux, c'est de le tuer. Comment peux-tu expliquer que tu as dépensé presque 2, quelque chose, milliards de naira pour un projet minier, quelque chose dans lequel tu ne t'es jamais lancé? Alors, quand sera-t-il si tu échoues? Si seulement tu connaissais mes plans, tu serais pas en train de dire ça. J'ai dépensé cette somme d'argent pour acheter ses propriétés. Oui. En mon nom, pas en son nom. C'est pas possible. Et donc, elle va payer pour les mêmes propriétés. Une fois que ce sera fait, je m'assierai sur l'argent et sur les propriétés. Hey. Ce mec est intelligent. Ce mec. Ok. Elle voudrait venir acheter sa propriété chez lui. Le payer. Ce n'est pas le cas. Il est au Nigeria. Pas du tout. Il est. En fait, il est à l'aise. Il s'est assis avec nous. Il est parmi nous. Oui. Ah non mec, t'es vraiment génial. 10%, c'est ce qu'il va te au faire gagner. Au lieu de bavarder inutilement, soutenez-moi dans mon projet. Tout le monde sera à l'aise après. Oui. Parle. Ouais, ah. Allô? Je suis vraiment désolée de t'avoir déçue. J'étais censée. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, maman et toi. J'ai merdé. Madame, est-ce que tout va bien? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais bien. Et je ne sais pas non plus si je vais aller bien. Ne dites pas ça, madame. Avec Dieu, tout est possible. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. J'aime ta passion pour Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu permet toujours aux bonnes personnes de souffrir? Tu sais, pour le Seigneur, il met souvent ceux qu'il aime à l'épreuve pour confirmer leur foi. La Bible dit, il faut passer par les tribulations avant de voir la lumière de l'Éternel. Il aurait simplement aimé ma fille. Il l'aurait aimée. Elle était juste fière des idées qu'elle défendait. Elle était? Elle est morte
l'année dernière. Un suicide. Je suis vraiment désolée, madame. Je suis tellement désolée. S'il te plaît. Peu importe ce qui te lie à Josh, tu dois l'interrompre. Il n'est pas ce que tu penses qu'il est. Il ne mérite pas du tout ta personnalité. Seigneur, j'ai commis une énorme erreur. Ça va aller, madame. Je comprends. Vous méritez tout ce qu'il y a de meilleur. Je suis enceinte de Josh. Quoi? Waouh! Waouh! C'est ce que j'appelle une beauté pure. Allez, approche, fais-moi un 360. Un 360! Regarde-moi ça! Waouh! Tu aimes ma tenue? Je l'adore, c'est juste moi. Merci. Mais tu ne m'as toujours pas dit où est-ce que tu m'emmenais? D'accord. Quel plan as-tu pour mon futur bébé? C'est un garçon? Ouais, je sais que c'est un garçon. Je ne sais pas. Bien, c'est pourquoi je t'amène au resto. Pour qu'on puisse s'asseoir et planifier pour notre enfant. Parce que je sais que c'est un garçon. Ok. Ok. D'accord, on y va? Oui, bien sûr. Sophie, bébé. T'es trop belle. Oh. C'est comme ça que marchent les affaires. Ah, ce vin, c'est vraiment de la classe. Pourquoi t'as pris mon verre? Hein? Mais le mien était ici. Ah! Tu devrais le servir en verre. Toi, espèce d'idiot! Ce mec est un idiot. Je t'assure. Non, normalement, Igbo, c'est Namo Gwenbabri. Ah, c'est que Zonu. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ah ouais, à la tienne, mec. Ouais. Ouais. Anna, au bois goué. Oh, que c'est beau l'amour. Ouais. 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 Ouais, méga sûr. Commençons par ouvrir cette bouteille. Fais attention. Yeah. Ouais. C'est trop cool. Oh. Ouais, j'aime la belle vie. L'amour règne ici. Portons un toast. Ouais. Portons un toast à la plus belle femme du monde. Hein? La mère de mon petit garçon. Il y a de l'amour dans l'air. Cette femme est juste une âme pure. Elle est aimante, attentionnée, présente. En fait. Je profite de l'occasion. Oh, wow. C'est ça, mec. Ah oui. Waouh. Il y a de l'amour dans l'air. Ça, c'est mon gars. Ouais. S'il te plaît, fais de moi l'homme le plus heureux de la Terre. En disant oui. Dis oui, dis oui. Dis oui. Dis oui. Hein? L'ingénieur te dit de dire oui. Oui, j'accepte. Ah-ha! Et si je vous jetais derrière les barreaux? En faisant de ce monde un monde meilleur. Ok. Le mariage civil. Non. Elle aime le mariage civil. C'est une sorte de prank ou quoi?
Ou alors un cauchemar. Tu as dit que tu avais organisé une fête de fiançailles. Oui, bien sûr, pour nous. Non. Tu ne l'as pas organisé, je l'ai fait. Bien sûr, via Denis, mon employé. Ton employé? Il faut que je te montre certains documents. S'il te plaît, viens avec moi. Oh, ok. On se voit plus tard. D'accord, madame. BBC. C'était pour quoi, ça? Boss, rien du tout. Elle voulait juste savoir si tout allait bien et je lui ai dit oui. Rien d'autre. Écoute-moi attentivement. Ne t'interfère pas dans mes affaires. Quel que soit ce qu'elle veut, demande-lui de me le demander. D'accord, patron. J'espère que j'ai été assez clair. Bien sûr, patron. T'es prévenu. Reste loin de mes affaires. Vous êtes surpris? Bébé, qu'est-ce qui se passe-t-il? Maintenant, laisse-moi t'informer. Denis est l'un de mes plus vaillants et fidèles agents. Oui, il a travaillé pour moi pendant à peu près 10 ans maintenant. Et ça continue. Et là avec moi, mon avocat le plus loyal et digne de confiance. Et mon confident. Maître Ikenna Akoborigbi. Ikenna a été le bras droit de mon défunt mari pendant des années. Et pour votre information, cette maison a été entourée par des agents de sécurité. Hey! Bébé, écoute, pas besoin d'en arriver là. Pourquoi inclure la sécurité? C'est entre nous, non? Si tous ces gens sont tes employés, ça veut dire que t'es le PDG et toutes ces propriétés te reviennent. Mais pourquoi donc il y a eu le paiement? Ils sont censés travailler pour cette entreprise. Comment se fait-il qu'ils sont tes employés? Tu es très intelligent. Les gars, si je devais noter ton intelligence sur une échelle de 10, je te donnerais carrément 10 sur 10. Sophie, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais tout ça? Donc tu n'es pas celle que tu prétends être depuis tout ce temps. Mais j'ai été assez intelligent. Ces propriétés m'appartiennent maintenant. Les documents de ces propriétés qui sont en ta possession ne sont pas les propriétés originales. Quoi? Y compris cette maison. Mais j'ai eu les documents de
de la bonne personne. Écoutez, c'était de ma faute. C'était de ma faute. Je suis désolé. Ferme ta gueule. C'était de ma faute. Je suis désolé. Dis-moi ce que tu veux. Je ne m'appelle pas Sophia. Hey. Mon nom est Madame Abomakalo Obi. Hey. 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 La femme du regretté Chief Justice Kalo Obi. Jesse O.N. Tu as tué son seul et unique enfant. Mon propre enfant. Bébé? Mirabelle? Tu vas bien? Est-ce que tu pleures? Non, maman, je ne pleure pas. Ça va, ça va. Tu en es sûre? Je vais bien, maman, je ne pleure pas. Est-ce que quelque chose s'est passé à l'école dont je devrais être au courant? Maman, je vais bien, tu ne comprends pas. C'est bon. Oh, très bien. Mais pourquoi ne pas aller te rafraîchir? Je viendrai te voir après, ok? Mirabelle? Mirabelle? Mais... bébé! Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Mirabelle! Mirabelle, s'il te plaît, bébé! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mirabelle! Bébé! Que quelqu'un m'aide! Non, 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 ne me fais pas ça. Mira, non, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, ne me fais pas ça. Que quelqu'un m'aide. Appelez une ambulance. S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. Appelez une ambulance. Bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Mirabelle, s'il te plaît, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai lu la lettre que ma fille a laissée. Et elle disait... Maman, je suis désolée. Désolée d'avoir abusé du privilège d'avoir accès à tes fonds. J'ai fait tout ce que j'ai fait au nom de l'amour. Et je veux que cette peine s'en aille. Tout ce dont tu as besoin est dans mon sac de classe. Je t'aime. Madame, c'est bon. Ça va aller. C'est bon, Faith. Je vais bien. Sacha Mira, 19 ans. Jésus-Christ. Ça te rappelle quelque chose? Ah. Oh.
Ma fille était une fille très intelligente. Alors elle m'a permis de vous trouver vraiment très facilement. Après toutes nos examinations, nous avons découvert que tu as extorqué cette fille innocente pendant 2 bonnes années. $500 millions en cash. Des objets pour toi d'une valeur de 200 millions. Des ranches, des voitures chères, des laptops, des iPhones. Et tu en redemandais encore. Je t'avais bien dit de faire attention avec cette Ifoma. Tu m'as dit non, c'est rien, tu contrôles la situation. Ifoma par-ci, Ifoma par-là, maintenant. Est-ce que tu vas la fermer, espèce d'idiot? Maintenant, mec, nous sommes fichés. Toutes les preuves, je les ai envoyées aux responsables des services de sécurité. C'est tout un ensemble de preuves qui montrent comment vous, idiots, tout spécialement toi, Sly, avez invité une fille dans cette maison, avez injecté une substance dans sa boisson. Et cette fille en particulier, malheureusement pour elle, elle est morte. C'est lui qui l'avait tuée. Et lui seul, c'était lui. Et donc, peu importe ce que vous lui avez donné, ça a fini par la tuer. Mais attends un peu, mec. Est-ce que ce n'est pas toi qui nous avais dit que tout allait bien, qu'on était en sécurité et que rien n'allait nous arriver, que tu avais géré toutes les preuves? Est-ce que tu ne nous l'as pas dit, mec? À cause de tous tes mensonges, regarde où on en est maintenant. Des mensonges. Encore des mensonges. Il les a gardés. Il les a gardés pour vous faire du chantage. Espèce d'idiot. De bons idiots. Au cas où vous arrêtiez de lui être loyal. T'es une mauvaise personne. T'es une mauvaise personne. La boucler et assieds-toi. C'est juste qu'il est mauvais, c'est tout. La ferme. C'est ici que ton chemin s'arrête. Tout ça, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Je vous l'avais dit, les gars. Monsieur Josh, Sly et Chidi, je vous avais prévenu. Après tout ce temps, officier, arrêtez-les. Attendez, attendez, je vais faire pipi. Eh, hey, monsieur, c'est pipi. Bon, avancez. Donc tout ceci a été planifié. Bien évidemment. S'il vous plaît, je vais faire pipi. Allez, c'est bon, avancez. Allez, allons-y. Sortez-les d'ici. Allez, taisez-vous et avancez. Allez, avancez. Vermine, et je te promets que tu ne reverras plus jamais la lumière du jour. Espèce d'idiot. Ça va aller. Désolée, d'accord? Merci.
désolée, madame. Madame, je suis désolée pour ce qu'il a fait à votre fille. Je suis tellement désolée. C'est bon. Elle a trouvé la paix maintenant. Faith, j'aimerais que tu m'emmènes chez tes parents. Notre fille est de retour. Allez, viens. Oh là là, ma fille. Hey, hey. Ma fille. Ah, mon Dieu. Oh là là. Tu es vraiment très belle, ma fille. Bienvenue, ma fille. Ça fait tellement longtemps. Hey. Soyez la bienvenue. Hey. Je suis tellement contente. Allez, viens dans mes bras, ma fille. Bonjour. Soyez la bienvenue. Bienvenue. Merci, monsieur. Apporte-nous les chaises. Bienvenue, mon frère. Soyez madame, tous la bienvenue. Mon père, que Dieu monsieur. Soit loué. Alors, avec votre permission, en tant que parent de Faith, j'aimerais beaucoup adopter votre fille. En tant que ma fille, et l'emmener avec moi aux États-Unis. Je vous prendrai comme ma famille ici au Nigeria. Et elle a la permission de venir vous rendre visite à chaque fois qu'elle voudrait voir ses parents. Avec la situation économique de notre pays, je ne dirais pas non. Il est très difficile de faire grandir un enfant qui a la crainte de Dieu dans une situation pareille. Mais avec la grâce et la prière, nous avons été capables de faire ça. Oui, vous avez fait du bon travail. Oui, et elle a vraiment insisté pour en discuter avec nous, ses parents. Un port pour que nous puissions la guider. Exactement. Ma fille. Mais papa, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas partir. Non, tu dois y aller. Ma fille, il faut que tu partes. Rappelle-toi de ce que je t'ai toujours dit. Tu as des générations à faire grandir. Va et prépare-toi à accomplir ta mission. N'en veux à personne qu'à toi-même. Accepte. Je suis fier de toi. Merci infiniment. Madame. Dites-moi quel est votre vrai nom. Tidalu Okeke. Waouh! Mais quel bon nom que voilà. Merci. C'était quoi ça, Suzuki, Suzu, quoi? Alors s'il te plaît, balance-moi ce nom et commence à porter Tidalu. Ça c'est bien, c'est un très joli prénom, d'accord? D'accord, madame. Très bien. Dès que Monsieur Denis aura vendu cette propriété,
Il va vous intégrer dans notre société et te mettre en formation. D'accord, madame. Tu seras très utile. Merci, madame. Ensuite, je vous donnerai un salaire de 200 000 naira tous les mois. Oh, merci, madame. Je pense que ça ira pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Mais voyons, merci, lève-toi. Merci, madame. On a besoin de quelqu'un pour la porte. You deserve the truth. Love needs money and power to be faithful. You deserve the crown, and I deserve the queen. Love needs money and power to be meaningful. Oh yeah. Love needs money and power to be meaningful. It's why every day we hustle, we hustle, double up our hustle, yeah. Pushing up new levels, new levels, while staring down new devils. Yeah. We're breaking down the obstacles while making ways for the optics of good life. Of good life. Baby, close your eyes and visualize future with you and I, living our best lives. Oh yeah. I'm allergic to the hard life, it's why I've been pushing the soft life to the very end. Please don't get confused. In life it's pretty hard to choose. Sometimes you have to go to hell to get to heaven. I've seen, I'm proud of what I have become. You wanna know the truth? You deserve the truth. You deserve the truth. Love needs money and power to be meaningful. Yeah, yeah, yeah. Baby, you deserve the crown. You deserve the crown. And I deserve the queen. Oh, love needs money and power to be meaningful. Oh, yeah. It's why every day I'm hustling. Hustling, every day I'm hustling. Tripling my hustle up, yeah, yeah. So I don't get caught by the eyes. I wanna give you the word, baby. I wanna give you all the things that money can buy. Take me as I am, take me as I am, baby. I'm just what life made of me. Take me as I am, baby. You want another church? You deserve a church. Love needs money and power.